Les escaliers sont indispensables pour les bâtiments de grande hauteur d'habitation, notamment les immeubles et les hôpitaux. L'architecte Peter Ndormo Fonkwa définit et présente les dimensions des escaliers. L'escalier, c'est un élément qui permet d'accéder d'un niveau inférieur à un niveau supérieur. Donc, les escaliers ont des normes qu'il faut respecter par rapport à la largeur, les hauteurs de marche et l'échappée. Ici, sur ce niveau que nous parlons de l'échappée, certaines personnes, ce bout-ci un peu plus bas, ça permet qu'en passant là, il y a problème. Mais vous voyez que là, nous avions une très bonne hauteur. La ruée vers les immeubles d'habitation à plusieurs niveaux est la résultante de la forte population qui vit à Douala. Une bonne partie de cette population n'arrive pas à distinguer l'escalier de distribution et l'escalier de secours. Les escaliers de secours, oui, parce que c'est très très important. Vous voyez, dans un bâtiment à de grandes hauteurs, des hôpitaux, vraiment, il y a toujours ces accès-là, des secours, pour s'échapper. Donc, s'il y a des bâtiments que les gens ont eu à construire, à réaliser sans escalier de secours, et ils devraient encore revoir ce côté-là. C'est pour cela qu'on consulte les architectes par rapport à ça, parce qu'ils ont toutes ces notions.